On n'entre pas haut. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Olympia. Ça a commencé, vous voyez derrière moi, c'est la queue. Lady Ponce est en train d'écrire l'histoire devant vous tous. Regardez, la salle n'est pas encore ouverte et l'Olympia est déjà blindée. Guichet fermé aujourd'hui, Lady Ponce écrit son histoire. Je vous montre. Ça, c'est Lady Ponce. Lady Ponce. Lady Ponce. Voilà. Aujourd'hui, c'est Lady Ponce qui écrit son histoire en plein Paris. Comme vous voyez, je vous montre, la salle n'est pas encore ouverte et il y a déjà l'effervescence. Aujourd'hui, une grande dame de la culture, en plein Paris, dans le quartier beau de Paris, Lady Ponce, tout simplement magnifique. On ne parle pas trop. Je vous montre Laurent. L'Olympia n'est pas ouvert, mais l'histoire est en train de s'écrire devant vous. Voilà ça. Lady Ponce est en train de parler fort aujourd'hui. Vive le Cameroun, vive la culture camerounaise, vive la culture africaine. On a bossé dur et aujourd'hui, place au spectacle. Je suis très ravie, heureuse. Sur la place. Aujourd'hui, on va ouvrir très bientôt, mais les Camerounais, l'Afrique a répondu présent. L'Olympia va se prier. Allez, tout le monde, Lady Ponce. Lady Ponce. Donc, dans quelques minutes, nous allons ouvrir. On ouvre à 19h, mais l'effervescence est totale devant l'Olympia de Paris. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire l'histoire. L'histoire de Lady Ponce, l'histoire du Bikuti, l'histoire de la culture camerounaise, l'histoire de la culture africaine. Lady Ponce, tout à l'heure, sera seule à son destin, devant 2000 personnes surchauffées, motivées et restées connectées. Parce que ça va aller vite. Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris et Lady Ponce est la boss. Vous voyez, même la police est là. Il y a la police qu'on a mobilisée. Aujourd'hui, seule la culture parle et je suis fier de ça. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous qui avaient été là dès le début de ce projet. Merci à tous qui avaient soutenu la Lien en interne du Bikuti. Et aujourd'hui, place au spectacle. Je ne vais pas être long, je dois rentrer au boulot, au four au moulin, mais je suis si fier de voir ce nom-là, écrit en plein Paris, en grand. Oui, c'est Lady Ponce, la lionne indomptable du Bikuti. L'unique et la seule baronne de Suisse, en direct de Paris, le centre des beaux quartiers, avec la police, la gendarmerie, tout le monde qui est là. Attends, ils sont en direct là. Laisse-moi finir ça. En direct des beaux quartiers. Et aujourd'hui, l'Olympia, c'est Lady Ponce. Regardez. J'ai écrit en grand. C'est elle la bosse. Voilà ça. Prenez l'image, c'est des captures d'écran. C'est Lady Ponce aujourd'hui. C'est Lady Ponce qui parle fort en plein Paris. Je suis fière de ça et je suis très contente. À très bientôt, place au spectacle. Merci, vive le Cameroun, vive la culture camerounaise, vive tout le monde et merci, merci, merci pour vous, pour tout ce que vous avez fait, l'histoire que vous êtes en train de tuer. Il y a une lionne notable là. Ah bon? Ok, merci beaucoup. Et je suis fier. Merci. Merci, merci, merci. Et place au spectacle avec la lionne indomptable du Bikuti, Lady Ponce. Regardez, on n'a pas encore ouvert la salle, la queue est totale. Guichet fermé, 2000 personnes qui vont lancer avec elle. Et c'est seule la reine qui est motivée. J'étais à la loge, elle est prête. Elle est déterminée. Et c'est une lionne indomptable qui va monter dans quelques heures
21h exactement, Lady Pons sera sur scène pour écrire son histoire. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et Lady Pons a privatisé Paris. Et je suis fier. La Lyon. Merci. Je vous présente Tef Chaleur qui est venu du Canada. Mon frère Tef. Ce soir, j'ai le ventre parce que Lady a le bavard. Vous savez la vie. Merci beaucoup. J'ai le ventre parce que Lady a le bavard. Voilà. Au Canada est présent. Edias. Oui. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écrire l'histoire de la culture camerounaise une fois de plus avec notre lionne indomptable, Lady Pons. Merci. Donc, merci à tous, merci à tous, merci à tous. Et tout le monde est là. Et pour moi, c'est un honneur, c'est un bonheur. Tout le monde est là. Et je suis très, très content. Je vais vous montrer quelqu'un qui vient d'arriver là. Alors. Ça c'est Monsieur Junior Zogo. Merci. Qui est là. Donc c'est le Cameroun qui gagne aujourd'hui. Je suis très heureux de vous rencontrer. Nous sommes là pour soutenir la musique, l'artiste. C'est le Cameroun qui gagne. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Je vous ai toujours vu virtuellement. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et place à l'histoire. Lady Pons. Lady Pons. Lady Pons. Merci à tous, c'était la seule et unique baronne de Suisse en direct de l'Olympia. Lady Pons est prête, motivée. Wow. Ça va décoller, 2000 personnes, on va enflammer la salle. Restez scotchés, merci. En direct de l'Olympia, l'unique et la seule baronne de Suisse. Le bâton de commandement est là et ça ne bouge pas. À très bientôt, merci beaucoup. La canne va mettre. À très bientôt.